va faire, ça va être d'apprendre à s'asseoir. Hein? Je vais faire semblant que je suis là, puis je vais aider Audrey à s'asseoir. Alors, l'homme se tient vers la gauche, tire la chaise, et madame s'installe sur le bout de la chaise par la droite. Vous pouvez vous asseoir, Audrey? Et je l'aide à pousser sa chaise. Et elle tire aussi. C'est pas facile ici parce qu'il y a du tapis. Elle va, c'est prêt? Oui. Oui, ça va? Parfait. Alors, vous pouvez vous asseoir de la même façon? Moi, je fais le même. D'accord. Non, c'est moi qui tiens la chaise. Je vous en prie. Merci. Est-ce que vous êtes assez proche, mademoiselle? Oui, tout va bien, merci beaucoup. Parfait. Maintenant, à quelle distance de la table on va être assis? Pas à côté dans... Non, pas à côté comme ça. On se tient droit. Si on peut juste appuyer le bas du dos sur le siège, en arrière, on peut faire ça, mais on garde le dos droit. Et c'est la distance d'une main de l'abdomen à la table. Je pense que c'est proche. Il y a les... Une main. Quelque chose qui bloque. Oui, il y a un pied de table qui est gros en dessous. Je peux pas aller plus loin. C'est correct. Ben, la raison pour laquelle on dit ça, c'est que tout le temps du repas, on va avoir les mains sur la table. Oui. Et que si on est trop loin, on va avoir mal au dos à la fin. Donc, il faut vraiment garder nos mains sur la table. Maintenant, tout de suite, quand on arrive à table, on prend notre serviette. Oui. On la met sur nos genoux. Et c'est la personne qui invite qui donne le signal. OK. Alors, quand vous voyez que la personne qui invite dépose sa serviette sur elle, vous la suivez. Et c'est toujours le pli fermé vers soi. Alors maintenant, il nous reste à déterminer. Est-ce qu'on met nos coudes sur la table pendant qu'on est à table? Non, pas les coudes. Jamais. Pas les coudes. Les avant-bras. Quand le repas principal a été enlevé, on peut aller jusqu'aux avant-bras comme ici. Mais jamais les deux coudes sur la table. Toujours les mains visibles sur la table. On met jamais notre serviette comme ça. Non. Ouais, ça c'est pour les bébés, ça seulement. Hein? Hein? On la prend jamais non plus dans les gars, là, jamais dans notre pantalon. Dans le trou de la chemise ici. Non? Quand on arrive à table, on n'est pas obligé de faire comme si on était au Grand Prix pour faire ça. Hein? Donc, elle est pliée en deux sur le bon sens. On a juste à l'installer comme ça. Sur nous. Ici, c'est une serviette de tissu, donc elle est assez grande, ça va assez bien. Les serviettes de papier, vous la mettez sur vous, automatiquement, elle va glisser. Donc, ce que vous faites, le but de la serviette, c'est qu'il ne faut pas que ça paraisse qu'elle est salée. Donc, avec une serviette de papier, c'est la même chose. Vous vous essuyez la bouche vers l'intérieur de la serviette, puis vous la fermez avant de la déposer sur la table. Il ne faut jamais qu'on voit rien de sali sur la table. Et avant chaque gorgée d'eau, on s'essuie la bouche. On s'essuie la bouche. Si on avait du vin, avant chaque gorgée de vin, on s'essuie la bouche avec l'intérieur de la serviette. Alors, ce que vous faites un repli comme ça, vous essuyez votre bouche. Vous la déposez sur vous et vous la refermez. Comme ça, refermez. Oui. Nice. Alors, personne.